Et c'est cette lettre. Alors, il utilise royal i à la fin, mais c'est pas dire, ça va prononcer i. Ok, c'est exceptionnel. Quand tu vois ça, i avec z, c, s, z, ch, sh, r, faut oublier, il y en a un i. Ok? Faut mémoriser quoi. Ça, c'est exceptionnel. C'est pour ça que tu te confonds aussi avec TTC, parce que chaque fois quand tu vois ça, tu veux aussi prononcer comme TTC, en fait. Donc, il faut dire, ça c'est différent, c'est pas I, il y en a pas, mais en écrit, parce que tous les pinyins, il y a voyelle à côté. Donc, sans voyelle, c'est pas un pinyin. Donc, pour avoir voyelle combinée avec cette lettre, cette combinaison, il faut utiliser I, mais on ne prononce pas I. OK?